think American policies are usually dictated by amazing ignorance. In the case of Libya, for example, I think that the Americans who got involved, and the French, Bonjour Thinkerview, je vous salue de Berkeley en Californie. Je vois que, en principe, en théorie, l'Amérique pense qu'elle a une économie libre et qui est réglée par le marché ouvert. Mais en vérité, comme tout le monde sait, le dollar est très faible parce que l'Amérique fait beaucoup plus d'importations que de l'exportation. Et c'est un système qui n'est pas très solide. On a vu des crises récemment, surtout en 2007-2008. Et dans cette crise-là, les banques, non seulement des États-Unis, mais les banques mondiaux, ont eu une crise, un manque de capitaux qui a été soulevé par les fonds illégaux et les fonds noirs, comme on dit en anglais, de trafic de drogue. Et on ne sait pas la grandeur du trafic de drogue, mais on a fait une estimation que peut-être il y a un milliard de dollars par an qui sont blanchis dans les banques. Et il y a eu un officier des Nations Unies qui a dit qu'il y avait des banques qui auraient échoué pendant cette crise-là s'il n'y avait pas eu cette remédie des fonds illégaux dans le trafic de drogue. Il y a deux façons de voir le rôle de la guerre contre la drogue. Pour moi, le fait principal, le plus important, c'est que le prix des drogues est beaucoup plus élevé qu'il y aurait s'il n'y avait pas cette guerre contre la drogue. Ça veut dire que les grands rois de la drogue ils approuvent cette guerre contre la drogue parce que c'est la source de leur profit. Et la drogue devient comme une taxe sur les gens ordinaires qui enrichit les riches. Et ces fonds, enfin, ils arrivent dans les banques américaines. Les banques font des arrangements spécifiques pour recevoir ces fonds privés. Il y a la banque ordinaire et puis à côté la banque privée qui reçoit des fortunes illégales comme celle par exemple du frère du feu président du Mexique. Et comme ça, c'est le résultat, c'est que la drogue est même plus importante dans l'économie qu'il ne serait si nous n'avions pas cette guerre contre la drogue. Oui, c'est vrai que pour les États, quand je parle par exemple de la Californie, là, notre premier produit agronome, c'est le marijuana. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas une taxe sur le marijuana parce que ce n'est pas légal. Ça commence à changer un petit peu, mais en principe, c'est illégal, ce n'est pas taxé et le gouvernement souffre. L'économie, c'est différent parce que même si nous parlons maintenant de l'héroïne qui provient de l'Afghanistan, les grands profits ne sont pas faits en Afghanistan, le pays de production.
ils sont dans le pays de consommation, ou parce que on estime que peut-être 80 ou plus, 80% du profit est fait dans ces pays-là, et même les autres profits sont aussi banqués dans un pays où les banques sont fermes et garanties, c'est-à-dire les États-Unis. Il y a eu deux moments où les États-Unis se sont intervenus en Afghanistan. Le premier était contre les Russes, les Soviétiques, en 1979. Et le deuxième, évidemment, après le 11 septembre, en 2001. Le résultat de ces deux interventions, c'est que l'Afghanistan, qui a toujours eu de l'opium et de hashish, de marijuana, mais avant la première intervention américaine, n'était pas une puissance dans le marché international. La consommation était locale. Et même les Américains y sont allés pour avoir un été de drogue sans danger dans les années 70. C'était ce qu'on appelait le piste des hippies, le hippie trail. Mais de presque rien en 1979 jusqu'à maintenant c'est presque 90% de l'héroïne internationale provient de l'Afghanistan. Et même aux États-Unis, si je peux ajouter un autre chiffre, il y avait le pourcentage de l'héroïne aux États-Unis qui provenait de ce qu'on appelle le croissant d'or, c'était zéro en 1979. Et selon le gouvernement, en 1980, ça sautait jusqu'à 60%. On voit qu'à Washington, il y a ce grand problème de la drogue et il y a des sociologues, des médecins, toutes sortes d'experts qui disent qu'il faut vraiment changer la loi et surtout pour commencer à légaliser le marijuana. Mais c'est un sujet interdit à Washington. Personne, si on veut poursuivre une carrière politique, il ne faut pas se mêler de ce problème. Et la raison, je pense, c'est parce qu'il y a trop d'argent, trop de profits qui proviennent de la situation actuelle. Et c'est pour ça, c'est un exemple, pas le seul, où notre démocratie ne fonctionne pas parce que l'argent interdit la discussion des vrais problèmes, dont la drogue est vraiment un des grands problèmes qui ruine la vie dans les grandes villes, le inner city, comme nous disons en anglais. Et pendant 50 ans, on a attendu un changement des lois, mais c'est interdit comme sujet. Est-ce que c'est parce que les politiciens ne sont pas libres? Oui, ils sont libres de le discuter s'ils veulent, mais ils savent très bien que ce sera la fin de leur carrière. Alors pour ça, ils ne discutent pas. Dans ma vie, je n'ai passé que 6 mois à Washington. Je connais Washington très mal. Mais j'ai vu un exemple au Congrès de la façon dans laquelle on n'est pas permis de parler de la drogue.
Je faisais partie d'une commission secrète, c'est-à-dire on recevait des discours dans une chambre privée pour une des commissions de la chambre du Congrès. Et le président de cette commission a dit au commencement que il y a un mot qu'il ne voulait pas, absolument ne voulait pas entendre dans la discussion, et ce mot était « legalization », « légalisation ». Et je me suis demandé pourquoi, mais plus tard j'ai fait des recherches, j'ai trouvé que ce représentant dans la chambre avait un frère avec qu'est-ce qu'on dit, il est, oh, they have a word. Il était avocat, et dans son bureau des avocats, il avait un très grand client. C'était un des plus grands rois de la drogue dans la ville de New York. Alors, c'était une source de profit qui aurait été abîmée si la drogue avait été légalisée. Et c'est pour ça, je crois, pour cet individu, mais qui était un individu assez important d'ailleurs, qu'il ne voulait pas entendre le mot « legalization ». C'est vrai aussi, il y a des grandes bureaucraties comme le DEA qui est chargé d'empêcher la drogue et toutes les prisons. Et toutes ces bureaucraties deviennent une partie du système qui gouverne le pays. Ils ne veulent pas voir un changement. C'était comme dans les années 20 aux États-Unis avec la prohibition. Que de plus en plus, c'était évident qu'il fallait changer, mais il y avait à cette époque aussi une grande résistance qui provenait de la bureaucratie. Et ailleurs, quand enfin on a légalisé l'alcool, c'est le moment où on a haussé la poursuite des drogues. Et les gens qui anciennement cherchaient les boîtes de l'alcool, maintenant ils cherchaient le marijuana pour la première fois. C'était tout de suite après la fin de la prohibition de l'alcool. J'ai une faiblesse, c'est que j'invente des mots de temps en temps, comme la politique profonde. Et aussi, j'ai inventé cette phrase « supramonde ». Il y a en anglais un « underworld », un « sous-monde », et qui fait une puissance sur le gouvernement d'en bas, mais c'est beaucoup plus faible que les puissances sur le gouvernement d'en haut. Et j'appelle toutes ces forces privées, les corporations, mais aussi des individus, des très riches, les très riches qui s'occupent de la politique, je les appelle le supramonde. Et dans mon bouquin, ici, La route vers le désordre mondial, j'ai même donné une définition que je vais lire. Et pour ça, il me faudra mes lunettes, un instant. Supramonde. Le royaume de la société riche et privilégiée qui est le théâtre d'une influence efficace exercée sur le gouvernement par le pouvoir privé. Bien que le supramonde ne soit pas institutionnalisé, ni autorisé formellement à exercer une telle influence. Il inclut, d'abord, ceux dont l'influence s'exerce à travers leur richesse, qu'elle soit administrée personnellement ou plus traditionnellement par le biais des fondations exonérées d'impôts et les projets qu'elles soutiennent, et deuxièmement, les représentants des premiers.
Ce terme doit être distingué de celui de Frederick Lundberg, les super-riches, c'est-à-dire les 60 familles les plus riches des États-Unis, dont il a prédit d'une manière erronée en 1967 dans son ouvrage « 60 Families » qu'elle continuerait à dominer les États-Unis autant que classe et gouvernement de l'argent. Les récents classements annuels établis par la revue Forbes dans des 400 États-Unis les plus riches démontrent que Lundberg s'est trompé. Sur deux plans, les plus riches héritiers de 1967 ne sont majoritairement pas les plus riches d'aujourd'hui, et les plus riches d'aujourd'hui ne sont pas nécessairement ceux qui projettent leur richesse dans le pouvoir politique. Par ailleurs, le supramonde n'est pas une classe, mais une catégorie. Ça, c'est très important. Il ne faut pas penser que cette classe est unifiée, les riches. Les riches se connaissent, mais ils n'agissent pas d'une façon solidaire. Il est erroné de concevoir comme une règle institutionnelle l'influence du supramonde telle qu'était exercée à travers la société Bilderberg, la commission trilatérale ou le conseil de relations étrangères. Cependant, il existe des cabales moins connues et habituellement secrètes qui prospèrent au sein de ces milieux de supramonde. Par exemple, en France, le Cercle Pinet ou le Safari Club, c'est ma définition. Alors, c'est vrai qu'ils sont organisés, c'est vrai qu'il existe, par exemple, Davos chaque année, il existe la société Bilderberg, il existe la commission trilatérale, et le fait même de toutes ces organisations différentes indique que c'est une situation plutôt pluraliste que unifiée. Mais dans, au milieu, il faut vraiment se rendre compte que, par exemple, pas tout le monde le sait, mais c'est vrai qu'en 1974, je crois, le gouvernement Wilson en Angleterre a été bouleversé, a mis à la porte, et aussi de Gaulle, à la fin de son pouvoir, avait des problèmes avec son service d'intelligence, et nous avons appris plus tard qu'il existait un cercle Pinet qui prenait, qui était fier de la fait qu'il avait pu élire Madame Thatcher en Angleterre. Alors il y a pas même organisation, mais même des puissances profondes au milieu de ce supramonde, parce que la force de l'argent c'est très très fort. Par exemple, nous savons très bien qu'il y a eu deux haussements de tarifs pour le pétrole. La première en 1972-13, et le deuxième en 1979-80. Nous savons que Nixon était responsable pour le premier parce que ça a aidé ses projets pour régler la région du Golfe. Iranien, ce qu'on dit, la Golfe, en tout, parce que les profits pour l'Iran, l'Arabie saoudite, qui provenaient du haussement de pétrole, payaient pour leur importation des armes américaines avec des équipes pour enseigner l'emploi de ces armes et tout ça. Le deuxième, évidemment, sous la présidence du président Carter, ça n'aidait pas du tout sa politique. Au contraire,
c'était responsable pour sa chute. Mais je crois que les républicains avaient des contacts dans les pays pétroliers et peut-être BP en particulier ont encouragé OPEC de hausser le prix de pétrole. Et par cette façon, on a vu l'élection presque simultanée de Thatcher en Angleterre et puis aussi Reagan aux États-Unis. Et vraiment, l'élection du président Reagan était le début d'une nouvelle époque aux États-Unis où il y a eu un grand haussement de subventions pour les budgets militaires et pour les budgets sucrés de CIA. Le CIA a commencé une guerre en Afghanistan et tout ça. Et on voit un résultat dans la société civile que avant 1980, les classes riches et pauvres s'approchaient dans leurs revenus. Il y avait une diminution de la disparité entre les riches et les pauvres. Mais depuis cette année-là, depuis 1980, c'est le contraire, que maintenant les riches deviennent beaucoup plus riches et les pauvres beaucoup plus pauvres. Et nous sommes pires maintenant que l'Europe dans cette statistique. C'est-à-dire, avant 1980, l'Angleterre était un pays de classe avec des riches et des pauvres, et les États-Unis moins. Maintenant, c'est le contraire. L'Amérique est plus divisée entre les riches et les pauvres que l'Angleterre ou presque n'importe quel autre pays en Europe, sauf la Russie. Quand je parle de la supramonde, il ne faut pas penser que la supramonde est divisée par un grand fossé du gouvernement. Non, c'est la source des gens, surtout dans le passé, les gens entraient du supramonde, ils sont entrés dans le gouvernement et surtout au poste secrétaire de finances, secrétaire du trésorerie, ce qu'on dit. Mais aussi, il y a une institution au milieu du gouvernement qui recevait beaucoup plus la pensée, les directions de Wall Street que le reste du gouvernement, et c'était le CIA, le CIA. Le CIA, quand il a été créé, c'était vraiment une création de Wall Street. Truman était le président, il n'était pas très à l'aise avec cette idée d'avoir un service d'intelligence dans des conditions de paix. Mais c'était Wall Street qui a insisté, c'est Wall Street qui a gagné. Et c'est très intéressant de voir que Truman insistait que le chef, dans son époque, le chef n'était jamais de Wall Street, toujours de l'Amérique centrale, surtout de l'armée. Avant Allen Dulles, qui était évidemment Wall Street pure, il n'y avait jamais un chef qui provenait de Wall Street. Mais les sous-chefs, tous les sous-chefs que nous connaissons, sept, ils étaient tous de Wall Street. Et en plus, il y a ce qu'on appelle le Society Register, ça veut dire des gens de richesse héritée, la grande société de New York. 6 de ces 7 étaient de cette société, ce Social Register. Alors, dès le commencement, c'était une création de Wall Street. Et enfin,
pour des raisons techniques dont je parle dans mon bouquin American War Machine, c'était Truman qui a fait introduire Alan Dulles comme un de ses sous-chefs dans le CIA. Mais le moment que les républicains ont enfin gagné la présidence en 1952, c'était la fin des chefs de l'armée, c'est General Beadle Smith, et c'est le commencement de l'époque de Dulles, un Dulles qui était au CIA, et un autre Dulles, son frère, qui était le secrétaire d'État. Et nous avons vu à cette époque une politique pure de Wall Street, commençant avec l'assistance pour soulever le président élu en Iran, M. Mossadegh, pour sauver la compagnie pétrolière anglo-iranienne qui maintenant s'appelle BP. Et deuxièmement, tout de suite après, en Guatemala, pour sauver United Fruit contre un autre président élu, Arbenz, élu pas d'une façon démocratique. Il faut se rappeler que Truman, en créant cette CIA, il pensait que ce serait un service d'intelligence, de renseignement, de trouver des nouvelles de tous les pays. Mais dès le commencement, et sous la direction des gens de Wall Street, ils sont entrés dans les opérations, c'est-à-dire des opérations criminelles en général, dans le reste du monde, parce que c'était à cause en partie de menaces soviétiques à l'époque. La première opération, c'était de mettre argent dans l'élection italienne de 1948. Et on disait que les Russes faisaient la même chose, alors il fallait faire la même chose. Mais dans les années 50, oui, toutes les opérations du CIA, des grandes opérations, ils étaient pour le bien du Wall Street. Et on ne sait pas ça parce que le CIA et aussi s'est mêlé dans le sud-est de l'Asie, en commençant d'abord en Thaïlande, et puis Birmanie, et puis le Laos, et enfin, d'une façon beaucoup plus grande, au Vietnam. Moi, je dirais que dès le commencement, les interventions du CIA étaient pour les buts définis par Wall Street d'abord. C'est à ce moment-ci, nous parlons du Conseil des relations extérieures, the Council of Foreign Relations, qui avait eu une discussion sur ce qu'on devrait faire en Guatemala avant que le CIA a commencé. Alors, premièrement, discussion à New York, décision, et puis décision communiquée à Washington. C'était sous Eisenhower qui était très volontairement, il était d'accord. Mais la façon d'influencer la politique, c'était surtout à travers le CIA, et ça a été exécuté par le CIA. Et je vois la même chose plus tard avec Vietnam, parce que Vietnam était, pour moi, la vraie raison pour avoir intervenu au Vietnam. C'était à cause que, avec des développements techniques de recherche de pétrole, pour la première fois, on pouvait trouver de pétrole au-dessous de la mer.
Et on savait dès le commencement des années 50 qu'il y avait beaucoup d'huile sous la mer chinoise, la mer entre le Vietnam et l'Indonésie. Et nous voyons à cette époque des grandes interventions des CIA au Vietnam et à l'Indonésie. Et après ça, la signature des contrats avec les compagnies américaines pour développer l'huile sous la mer au Vietnam, au Cambodge, au Thaïlande et surtout à l'Indonésie. J'ai débuté vraiment dans mes recherches en cherchant la raison pour laquelle les Américains se sont intervenus dans la politique indonésienne en 1965, avec le résultat d'un grand massacre de peut-être millions de personnes, personnes civiles, femmes, enfants. Toute une classe des instituteurs dans les écoles, parce qu'ils étaient dans un parti communiste, mais un parti communiste assez pacifique qui comptait gagner une élection. Ça, c'était une des grandes interventions des États-Unis, non seulement le CIA, mais aussi l'armée américaine avec toutes sortes de choses. Mais c'était pour le pétrole. Leur rhétorique, à la fois, c'était parler des ressources naturelles de la région. On a parlé de caoutchouc, on a parlé d'étain, tout ça. Ce n'était pas fausse. Ils comptaient surtout une des plus grandes, moins discutées, mais très importantes, c'était le wolfram, tungstène. Je ne connais pas le mot en français. J'espère que c'est tungstène. C'est tungstène en anglais. Et c'est absolument nécessaire pour un acier fort pour les armements dans les chars blindés, etc. Et absolument nécessaire, et ça provenait dans cette époque de la Chine, qui était maintenant hors de question, et aussi de l'Asie du Sud-Est. Ça, c'était vrai aussi, mais le pétrole a dépassé, je crois, les autres, surtout le caoutchouc, parce que maintenant, la plupart de notre caoutchouc, ça provient de la pétrole, c'est artificiel. Et on va voir dans les statistiques la commerce entre l'Asie du Sud-Est et l'Amérique était basée sur le pétrole. Les investissements qu'on a vus dans l'Asie du Sud-Est, une grande partie aussi du Japon, mais le Japon aussi était son économie après la guerre était une création des Américains. Parce qu'on pense à cette époque que la politique américaine était définie par la guerre froide contre la Russie, contre l'Union soviétique, on se demande en quelle partie cette guerre froide était vraie et en quelle partie c'était une espèce de masque pour des raisons plus capitalistes de Wall Street. Mon opinion personnellement, j'y ai réfléchi beaucoup parce que j'étais jeune à cette époque, mais je le rappelle bien, c'est que en partie, la peur de l'Union soviétique était réelle et était vraie. C'est-à-dire que je ne crois pas, jamais l'Union soviétique aurait invadé l'Europe de l'Ouest avec ses divisions en Europe de l'Est. Et ça, c'est le grand mythe de l'OTAN.
Et quand j'étais dans le gouvernement, j'ai commencé à questionner ce mythe. Je ne le croyais pas à cette époque, je ne le crois pas maintenant. Mais je crois que c'est très, très possible que les partis communistes en Italie et en France auraient gagné leurs élections. Et c'est parce que le CIA est intervenu pour empêcher ce résultat que nous voyons maintenant une Europe non communiste. Et de mon point de vue personnel, je n'aime pas les moyens qui ont été utilisés pour protéger l'Europe de l'Ouest, mais je suis très content que nous ne voyons pas une France qui a subi la même politique après la guerre que, par exemple, la Pologne. Parce que j'ai vécu en Pologne. Ce n'était pas si pire. Je connaissais les gens dans le gouvernement socialiste. Ils étaient mes copains. Mais c'était triste pour la Pologne. Et je suis content que la Pologne est maintenant libre de l'influence russe. Et pour moi, personnellement, je crois que les événements en France auraient été aussi tristes si les communistes étaient mis au pouvoir. Ce sont des sujets qui sont très difficiles à discuter. Mais j'ai dit tout ça pour admettre qu'il y avait un élément de vérité au commencement dans la guerre froide. Mais aussi, il faut voir que quand cette guerre s'est développée, ça a été de plus en plus influencé par les intérêts privés du supramonde, et je vais inclure maintenant aussi les grandes corporations internationales de l'époque qui étaient surtout les corporations de pétrole comme Standard Oil, ce que nous appelons maintenant Exxon, Mobil, Texaco. La guerre froide s'est changée pendant des années pour devenir une façon pour protéger des intérêts de ces grandes corporations. Non pas nécessairement en Europe, mais en partie en Europe, avec le Truman Doctrine, pour garantir une Grèce non communiste. C'était admis à cette époque, c'était admis que c'était pour garantir que le pétrole de l'Arabie Saoudite pourrait être vendu en Europe parce que les grandes corporations ne voulaient pas que ça provienne aux États-Unis parce qu'ils avaient encore une production domestique ici aux États-Unis. Il fallait que ce pétrole aille à l'Europe et pour ça, il fallait avoir une Grèce non communiste. Ça, c'était un commencement d'un mélange entre la vraie guerre froide et les intérêts de la corporation. Mais plus tard, c'était presque purement les corporations. Oui, je viens d'écrire un petit article sur la situation actuelle au milieu de 2013 en Syrie, parce que c'est un choix qui s'est reproduit maintes fois dans l'histoire américaine, un choix entre une politique militaire et une politique diplomatique. C'était au commencement du mois de mai que les États-Unis et la Russie se sont accordés qu'il fallait convenir une convention, peut-être à Genève, pour chercher une solution internationale diplomatique aux problèmes syriens qui devenaient de plus en plus graves et qui menaçaient de plus en plus de grandir et de sortir au-delà des frontières syriennes et de créer une crise au Liban, en Irak,
et même peut-être en Turquie, parce qu'il y a des Kurdes partout. Et j'étais très déçu qu'enfin Obama, qui a pris une position très rétrécie, il ne voulait pas se mêler dans cette affaire, mais enfin, sous la pression des faux camps à Washington, et il a accordé d'envoyer des armes, des petites armes, mais des armes aux combattants. Et c'est un peu une blague, parce que déjà le CIA avait envoyé non pas seulement des armes, mais aussi des spécialistes pour enseigner dans les armes. C'était un peu comme la Libye, il y avait une politique secrète qui déjà commençait cette politique. Ça, c'est très dangereux pour une solution diplomatique internationale. L'espoir n'est pas tout à fait éteint, mais c'est beaucoup plus faible maintenant. Le problème, c'est que dans la Syrie, comme dans les autres pays dont j'ai parlé, il y a un problème de pétrole. Maintenant, c'est de plus en plus le gaz. Avant, c'était l'huile, le pétrole. Maintenant, c'est de plus en plus le gaz. On a découvert du gaz même en Syrie. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est un gas field, un champ de gaz, une région de gaz sous terre. C'est sous la Golfe, qui est partagée à moitié pour le Qatar et moitié pour l'Iran. Et c'est la région la plus grande dans tout le monde. Le marché pour ce gaz, ce sera l'Europe. Et les conduits de gaz ne passeront pas par Israël, ils passeront par la Syrie. Comme d'habitude, il y avait le premier conduit de pétrole de l'Arabie saoudite, passé par l'Irak et enfin la Syrie à la Méditerranée. Ça a été terminé il y a longtemps. Il y avait un autre conduit qui était abîmé pendant la guerre d'Irak. Mais maintenant, c'est un choix. Qatar a dit à M. Assad en Syrie, il faut que vous démissionnez. Nous voulons un gouvernement plus musulman qui laisserait notre conduit de gaz de passer de l'Irak à Turquie, parce qu'il y a maintenant un grand conduit de gaz qu'on va construire la ligne Nabucco en Turquie. Et Qatar voulait vendre son gaz à cette ligne. Mais à la fois, simultanément, l'Iran a dit, nous voulons aussi prendre du gaz de cette même région et de l'envoyer en Europe par un conduit qui passerait Iran et Irak, parce que maintenant l'Irak est beaucoup plus proche à l'Iran qu'auparavant, et enfin Syrie. Et cette guerre entre le gouvernement d'un côté et les différentes parties entre les rebelles, et c'était subventionné surtout par le Qatar qui a déjà payé, je crois, plus de 3 milliards de dollars de subventions pour cette révolte. Parce qu'ils veulent avoir Assad à la porte pour avoir leur conduit. Mais Assad est protégé. Maintenant, il commence à gagner avec l'appui de Hezbollah, qui est directement subventionné et en partie dirigé de Téhéran en Iran. Et Assad a signé un contrat officiel avec l'Iran pour avoir un conduit de gaz qui passerait directement. On appelle ça, je crois,
le conduit de gaz islamique qui passera de l'Iran à maintenant un port qui anciennement était un port assez petit, mais qui deviendra assurément beaucoup plus grand à cause du gaz même là-bas, même en Syrie même. Et c'est comme la grande partie des interventions de l'Amérique et de CIA n'importe où, et surtout en Libye et en Irak, il s'agissait du pétrole, du gaz, et la Syrie n'est pas une exception. Mais c'est plutôt, c'était comme l'Afghanistan même, parce que le moment où les États-Unis commençaient à s'intéresser à la fin de, avec le Taliban, la fin des années 1980, il y avait on parlait d'un conduit de pétrole qui passerait de Kazakhstan à Pakistan à travers l'Afghanistan. C'est pour ça l'UNOCAL, une compagnie américaine, a invité des gens, les représentants de Taliban, de venir à Texas pour être enseignés dans les affaires techniques. C'est toujours le pétrole quand on en parle de l'Amérique et son pétrodollar qui est la base de sa fortune internationale. L'Amérique est divisée entre des faucons et des colombes sur le thème de Syrie. Mais en Europe, c'est la même situation, mais il y a une division encore plus grave parce qu'il y a deux sortes des intérêts en Europe. Des petits pays comme l'Autriche à l'Est, ils veulent avoir du gaz aussitôt que possible. Ils ne veulent pas être sous l'influence trop profonde de la Russie. Alors, ils invitent cette. La France, au contraire, qui avait des intérêts historiques dans la région, et l'Autriche est peut-être une des colombes de l'Europe, et la France, actuellement, est une des faucons de l'Europe, telle qu'elle était aussi dans le cas de la Libye. C'était Bernard Lévy qui a, dans un sens, débuté tous les problèmes au Libye en 2011. C'est pour ça que ces problèmes de gaz et de pétrole ne sont pas simples. Ils créent des alliances régionales. Et surtout aussi, la Russie a une position assez compliquée à travers ce conduit de pétrole. Parce que j'imagine que la Russie préférait d'avoir ni le conduit de Qatar, ni le conduit de l'Iran, parce que le marché pour le gaz n'est pas infini, est limité, et actuellement, c'est le gaz russe. Pour terminer, je voudrais dire quelque chose à la jeunesse qui assiste à cette interview. Je voudrais parler de la raison pour laquelle je fais mes recherches et j'ai fait mes enquêtes. D'abord, je viens du Canada, qui est un pays assez petit, si on parle du nombre de gens. Et nous avons au Canada l'impression que si nous avons une idée pour améliorer le pays, nous pouvons le partager avec les dirigeants à Ottawa, avec les membres du Parlement canadien. Et même en vérité, je l'ai fait un petit peu quand j'étais jeune, même avant l'âge de 20 ans.
Et quand je suis arrivé aux États-Unis, j'avais la même illusion. Mais vous savez très bien que ce n'est pas la même chose aux États-Unis, qu'il y a plus de gens en Californie seuls, je crois, que dans tout le Canada. Alors c'est dans une échelle tout à fait différente. Et je dois dire que si j'avais l'idée au commencement, je luttais contre l'intervention dans la guerre du Vietnam. De ma carrière dans la diplomatie, je connaissais un tout petit peu de la situation vietnamienne, pas beaucoup, mais assez pour me convaincre que les États-Unis ne devraient pas entrer dans cette guerre, pour la santé américaine aussi, autant que la santé vietnamienne. Et j'ai bien appris que tout un mouvement, des milliers, presque 2 millions à la fin, ils ont assisté un tout petit peu à terminer cette guerre, mais ma contribution personnelle était très très petite et je n'ai pas maintenant l'impression que mes idées vont changer les États-Unis, pas du tout. Mais quand même, je suis très content de faire ce que je fais. Je rencontre des gens que j'adore, comme des gens. Je suis dans une chambre ici avec deux copains que j'ai rencontrés dans un mouvement. Et dans ces mouvements, je rencontre des gens que j'aime. Et aussi, j'ai toujours l'idée que même si je contribue pas aux politiques du présent, qu'il y a toujours la politique de l'avenir et que peut-être je peux persuader des autres gens d'être comme moi, intéressés dans la justice internationale, dans la liberté personnelle et dans la démocratie. Sur l'écran, le niveau de Washington, c'est un très mauvais moment maintenant pour la justice, la liberté, la démocratie. Mais quand même, je vois que la mauvaise politique de Washington crée une opposition. Et je veux être partie de cette opposition parce que j'ai la foi dans la race humaine que nous avons une tendance enfin vers la démocratie, vers la liberté et vers la joie d'être libre dans une société libre et ouverte. Et je serais très déçu si je ne pensais pas que je pourrais contribuer un tout petit peu à cet avenir. Et j'espère que parmi vous autres, la jeunesse, il y aura des gens qui vont avoir le même espoir de participer dans l'avenir de notre pays, de notre globe et notre race humaine. Merci beaucoup. Il y a actuellement une situation qu'on n'aurait pas prévue il y a 20 ans. On fait des comparaisons entre les États-Unis avec leur surveillance universelle et l'Allemagne de l'Est à l'époque de Stasi, où il y avait la même chose. Et c'est une des grandes indications que depuis le 11 septembre, nous avons vraiment vu un grand changement aux États-Unis. On n'aurait pas prévu cette surveillance universelle. Et ça, c'était un résultat de ce qu'on appelle Continuity of Government Arrangements, le COG, Continuité de Gouvernement, qui avait été planifié pendant
20 ans par un groupement de gens, en partie dans le gouvernement et en partie dehors. Le plus intéressant, c'est que deux de ces gens qui ont planifié étaient Donald Rumsfeld et Richard Cheney, qui étaient au pouvoir à Washington le 11 septembre. Le président Bush était en Floride. Et ces deux gens-là, ils ont fait commencer, implémenter les provisions de continuity of government. Et on peut les résumer en trois catégories. D'abord, surveillance universelle, sans mandat d'une cour. Et deuxièmement, qui était beaucoup plus pire, je crois, détention indéfinie, sans mandat d'une cour. Et troisièmement, l'intervention permanente de l'armée, des militaires dans la sécurité domestique des États-Unis. Les points 2 et 3 étaient contre les lois existantes, même, on pourrait dire, contre la Constitution des États-Unis. Il faut expliquer à une assistance française que l'idée de détention sans mandat indéfini, ça contrevient une des libertés les plus profondes et les plus traditionnelles de la tradition anglo-saxonne. Ça a été donné par le Magna Carta dans l'année 1215. Et depuis ce temps-là, nous avons eu ce qu'on appelle habeas corpus, qui dit un cours, si quelqu'un est détenu dans 24, 48 heures, mais bientôt, il faut produire le type qui a été détenu. Et bien que je crois que c'est horrible que nous avons maintenant une surveillance universelle, pour trouver des terroristes, on a trouvé peut-être une vingtaine, une cinquantaine, ça dépend de votre définition, mais certainement moins de 500 terroristes aux États-Unis. On surveille tout le monde, et permanemment, tout le temps. Et ça est devenu une excuse pour contrôler le public en général, pour créer une situation très, très similaire à ce que le romancier George Orwell a prévenu dans son roman 1984. Il s'est trompé de date, mais il a vraiment prévenu ce que nous avons maintenant aux États-Unis. Et aussi, le troisième point, l'intervention des militaires d'une façon permanente dans la sécurité domestique. Il y a aussi les lois spécifiquement américaines, passées comme Comitatus Laws, qui interdisent cela. Et ça, tout a changé, apparemment pour toujours, à 10 heures le matin du 11 septembre, quand Cheney et Rumsfeld ont fait implémenter les provisions de Continuity of Government. Le résultat, c'est que nous avons l'État public qui continue comme auparavant, mais nous avons maintenant un deuxième État, un État secret, comme on commence à dire de plus en plus, un État profond qui n'est pas gouverné par le cours suprême, qui fait ses propres lois. Il y a maintenant des questions très techniques où je ne vais pas entrer dans ces problèmes, dans ce discours, mais ce n'est pas seulement moi-même qui parle d'un État profond maintenant aux États-Unis.
Et même des gens, des académiciens qui parlent qu'il y a eu un coup d'État le 11 septembre, parce que c'est un tel changement de la condition politique du pays, c'est vrai qu'il faut faire reconnaître des similitudes avec la situation dans l'Allemagne de l'Est, et pour un pays comme l'Amérique qui est né dans des conditions de révolution contre un gouvernement absolutiste à Londres qui n'écoutait pas les intérêts locaux. C'est vraiment dramatique de voir le changement qu'on a vu dans ce pays. C'est très triste. C'est triste. Mais c'est triste, mais il ne faut pas penser que le public est mort, que le public a oublié l'idée de la liberté. C'est très difficile de généraliser dans la condition des États-Unis. Et le moment qu'on pense, qu'on comprend ce qui passe aux États-Unis, c'est le moment qu'un nouveau mouvement paraît ailleurs, qu'on n'attendait pas. Et c'est pour ça que je n'ai aucune foi que le gouvernement va corriger les conditions actuelles, mais j'ai vraiment confiance qu'il y aurait enfin un changement qui proviendra du public, des gens comme moi et mes copains dans le mouvement anti-guerre. Des types comme Cahuzac, il n'y en a pas beaucoup, cette espèce d'aplomb incroyable avec lequel, les yeux dans les yeux de tout le monde, il a dit « je ne mens pas, vous pouvez me croire », etc. Il y avait un truc... Comment peut-on imaginer qu'un politicien va être en mesure de se dire « non, attendez, l'intérêt général, c'est la défense des libertés fondamentales, liberté fondamentale, c'est la défense de la vie privée, et là, il y a un conflit, c'est impossible ». D'appeler les hackers, alors en France, le problème, c'est que le mot « hacker » est diabolisé, on oublie simplement que ce sont des gens qui privilégient les résultats sur les méthodes et qui sont capables de gagner une connaissance intime d'un système.